Kawasaki revient chasser sur le segment de l'hypersport grand public. Pour vous, nous sommes allés en Malaisie sur le circuit de Sepang tester cette nouvelle ZX10R 2016, une machine à fort potentiel. Contrairement à Yamaha, parti d'une feuille blanche pour élaborer la dernière R1, Kawasaki s'est appuyé sur l'expérience du Superbike et son incontestable supériorité pour faire évoluer son fleuron sportif. Datant de 2011, le précédent opus était distancé par la concurrence. Il fallait réagir ou disparaître. Comme annoncé au Salon de Milan, pas de révolution sur cette ZX10R, mais une incroyable somme d'évolution technologique la rapprochant toujours plus de la version Racing. Incontestablement, le meilleur est à l'intérieur. Sur le papier, les informations se bousculent. Géométrie revue, bénéficiant au feeling et à l'agilité en courbe. Partie cycle optimisée avec une fourche à chambre d'amortissement externe issue du Superbike et de grands disques en 330 mm pincés par les Brembo monobloc M50 de la H2R. Prise de régime sidérante pour un moteur encore plus méchant que l'on peut désormais exploiter en 200 chevaux en France puisqu'elle est Euro 4. Sans oublier toutes ces aides à la conduite permettant de flirter avec la limite sans jamais la dépasser. La commande des gaz Ride-by-Wire, la centrale inertielle IMU qui mesure sur 6 axes les paramètres de la moto et distille ses informations à l'ABS intelligent, à l'anti-patinage comme à l'anti-wheeling. Si la QV 2016 ne casse pas les codes, c'est peut-être pour mieux surprendre. En vert ou en noir, elle reste dans la ligne du parti, même si la bulle plus large est moins symbolique que la précédente et que l'arrière s'est affiné. Pour être dans l'air du temps, un feu à LED fait son apparition. De manière plus pragmatique, la selle relevée et le guidon rapproché donnent une position qui profite à l'attaque. Un œil sur la planche de bord qui a peu évolué avec son bar graphe coloré servant de contour, on a connu plus lisible. Avec 200 chevaux sous la poignée, 210 en action avec l'air forcé, on peut s'interroger sur sa capacité à maîtriser un tel monstre livré dès à présent en version Euro 4, c'est-à-dire full power en France. Si la ZX10R ne risque plus de cabrer en ajoutant un anti-wheeling au contrôle de traction, il faut ouvrir les gaz en grand pour réussir un départ dynamique. Pour un pilote lambda, c'est en même temps rassurant et frustrant de savoir que l'électronique peut reprendre la main à tout moment, mais on l'oublie vite une fois en piste. Les ingénieurs qui ont réétagé la boîte ont resserré les rapports pour rendre le moteur encore plus disponible. La sélection est douce et précise avec le nouveau shifter qui permet de monter les rapports sans couper les gaz. Considérée comme une ineptie sur une sportive il y a encore peu, l'ABS est entrée dans les mœurs, surtout avec les versions agissant en ligne droite comme en courbe. Avec tout ça, en utilisation courante, il serait surprenant de faire glisser cette ZX10R bardée de ses assistances diverses. En sortant plein gaz avec encore un bel angle à l'attaque de la ligne droite, l'avance allège un peu. Mais immédiatement, l'amortisseur de direction électronique stoppe l'amorce du guidonnage. On est comme catapulté d'un virage sur l'autre. Et ça, c'est vraiment grisant. Tant que l'appui sur le guidon devient inconfortable, on est revenu à une position plus basculée qui favorise le renvoi d'informations du train avant. L'évolution est nette par rapport au précédent modèle qui était sensiblement moins agile. Même si Kawasaki a fait des efforts, la protection reste limitée, hormis quand on est vraiment couché sur le réservoir. Avec leurs cartouches externes inspirées du Superbike, les suspensions pressurisées Showa ne sont pas que belles. Elles sont ultra efficaces sur piste et facilement réglables. Il faut juste hausser d'un cran le pilotage pour l'adapter à ses possibilités, ne serait-ce qu'utiliser toute la puissance de son freinage. La Kawasaki ZX10R a franchi un grand pas cette année. Pensée pour la piste mais utilisable sur route, elle n'est peut-être pas aussi impressionnante ou démonstrative que ses concurrentes. Cette Ninja fait le pari de l'expérience. Extrêmement performante, elle n'est pas des plus exigeantes, toute proportion gardée. Elle respire plutôt l'équilibre en conjuguant efficacité, rigueur et sécurité. Un excellent moyen de plaire en garantissant la sérénité d'une technologie high-tech.